Il y a environ 2000 ans, sous le règne de Cléopâtre, la reine des reines, les Égyptiens parlaient comme ça. Cut, 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 cut. Ce langage n'est certes pas facile à comprendre. C'est pourquoi le film que vous allez voir sera doublé en français. Mais comme les techniques de l'époque n'étaient pas aussi parfaites que celles d'aujourd'hui, vous remarquerez que parfois, les mouvements des lèvres ne correspondent pas exactement aux paroles prononcées. Après ce prologue, aussi intéressant qu'instructif, nous avons l'honneur et l'avantage de vous présenter une grande fresque historique. Thank you.
C'est immonde, c'est ridicule, c'est grotesque, c'est inconvenant. Il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est que ce que tu dis là est infâme. Oh César! Mais il faut se rendre à l'évidence, ma reine. Ton peuple est décadent. Mon peuple a construit des pyramides, la tour de Pharos, les temples, les obélisques. C'est vieux tout ça, ma Cléopâtre. Assez! Je veux te montrer, moi, que mon peuple n'est pas décadent. Dans 3 mois, jour pour jour, je t'aurais fait construire un palais somptueux, ici, à Alexandrie. Eh bien, c'est entendu. Si tu gagnes ton pari, je reconnaîtrai que ton peuple est encore un grand peuple. Elle est mignonne. Mais les épices lui montent facilement à ton nez. Quelle âge jolie, d'ailleurs. Numéro 10. Oui. Je t'ai convoqué car tu es le meilleur architecte d'Alexandrie. Ce qui n'est pas grand-chose, d'ailleurs. Des maisons s'écroulent. Elles sont la risée de ceux qui n'y habitent pas. Et que moi, ma spécialité, ça serait plutôt les pyramides. Si en construisant un palais magnifique, ici, à Alexandrie, pour Jules César. 3 mois. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Sinon, je te jetterai au crocodile. Va. 3 mois pour réussir. Il faudrait que je sois aidé par un mage. Un mage. Je suis sauvé. Je connais l'homme qu'il me faut. Dresser à portée des manies. En attendant, viens dresser la table. Le druide panoramique, je vous prie. Sur l'arbre en train de cueillir du gluant. Panoramix. Oui. Oh, quelle bonne surprise. Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un Alexandrin. Je vous présente mon ami numéro 10, un architecte d'Alexandrie. Je dois construire un palais pour César dans un délai de 3 mois. Faute de quoi, Cléopâtre va me jeter au crocodile. Ça se mange, les crocodiles, Astérix. Chut, Obélix. Et si tu ne m'aides pas, je ne réussirai pas. Calme-toi, numéro 10. Je vais t'accompagner en Égypte. Nous aussi partout à Thys. Par Osiris, vous dites vrai. Nous allons faire un beau voyage, Idéfix. Tu ne comptes pas l'emmener avec nous? Mais pourquoi pas, monsieur Astérix? Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, monsieur Obélix. Et maintenant, on va faire tes bagages. Bien sûr, moi, je suis le faire-valoir, le comparse. Je m'envoie au chapitre. Mes amis, soyez dignes de nous et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. J'ai préparé un petit champ de départ. Ah non! Ignare. C'est moi qui fais ouais ouais. J'ai même plus le droit de faire ouais ouais. Allez, gros têtu. Laisse-le sortir du sac, ton idée fixe. Nous
pouvons appareiller. Tu me hérisses. Mettez la voile. En Égypte, nous aurons à lutter contre de nombreuses difficultés. Et pendant le voyage, nous risquons de rencontrer des pirates. Les pirates, on s'en occupe. Pas vrai, Obélix? Oh oui. On s'énerve pas, on les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. La routine habituelle, quoi. Quand je crierai, à l'abordage! À l'abordage! Comment à l'abordage? Comment à l'abordage? Aïe! Ouïe! Oula! Aïe! Oula! Aïe! Oula, oula! Aïe! Comment à l'abordage? Félix, tu viens? Allez, on s'en va. Oui, Astérix. Mais il en reste encore en haut. Dehors, dehors. Comment à l'abordage? Après un long et calme voyage sans incident notable, par une nuit paisible, le navire approche de la fin de son tranquille périple. Quelle est cette lueur à l'horizon? C'est la tour de l'île de Pharos, dont le feu guide les navires. Nous serons à Alexandrie demain. Une tour pour guider les navires? Ils sont fous, ces Égyptiens. Le bain de Cléopâtre. Le bain de Cléopâtre. Le bain de Cléopâtre. Le bain de Cléopâtre, belle et bien parfumée, pour baigner son corps d'albâtre, quels sont les amphores de lait. Le savon de Cléopâtre. Le savon de Cléopâtre. Le savon de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre. Le lion de Cléopâtre. Le lion de Cléopâtre. C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux, du courage comme quatre et de l'esprit. Alors ça, zéro, hein? Demande la faveur d'une audience. Qu'il entre. Ô ma reine, voici les amis gaulois, un mage puissant et les guerriers valeureux qui vont m'aider dans mon entreprise. Bien, mais faites vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Si vous réussissez, il y aura de l'or pour tout le monde. Sinon, tout le monde pour les crocodiles. Et à ce propos, je te préviens qu'à mon bon fils, ton rival t'en veut beaucoup d'avoir été choisi à sa place. Je crois qu'il verrait avec plaisir ta carrière finir dans un... crocodile. C'est ça. Maintenant, allez. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Je vous emmène chez moi. C'est de moi, ça. Ça aussi, c'est de moi. Ça, c'est encore de moi. Ça, c'était de moi. Ça, c'est chez moi. Je l'aurais deviné. La porte est encore coincée. C'est l'humidité. Je vais vous donner un coup de main. Non, Obélix! Ne le grondez pas, c'est le bois qui est trop sec. Vous êtes ici, chez vous. Tu viens, Obélix? Travail. Maître,
L'architecte à mon beau-fils demande à vous voir. Mon rival qui entre. Je vais droit au but. Construisons ensemble le palais de César. Si nous réussissons, nous nous partagerons l'or. Sinon, tu iras te faire dévorer seul par les crocodiles. Après tout, là où il y en a un à manger, inutile d'en mettre deux. Je refuse. Tu es fourbe, malhonnête et antipathique. Sors de chez moi. Tu le regretteras. Tu finiras dans un sourire. Faut rien. Je vous emmène sur le chantier. Oui, je crois qu'il sera intéressant de voir comment tu travailles. Idée fixe! Ce sont des esclaves? Oh non, ce sont des travailleurs libres. Ben, ils seront fous, ces Égyptiens. Venez voir les pleins du palais. Et ces deux-là, que font-ils? Ils font des heures supplémentaires. Voici le plan. Je l'ai dessiné moi-même. Je reconnais ta patte. Mes amis, ne vous laissez pas exploiter par cet architecte minable. Il vous bat trop. Il ne vous paie pas assez. Cessez le travail. Réagissez contre ceux qui se moquent de vous. Abandonnez-les. Faites la grève. Rentrez chez vous. Mec, les ouvriers vont laisser entendre qu'ils refusent de reprendre le travail. Quelqu'un a dû les monter contre moi. Mais qui? Qui quoi? À mon bon fils, ton rival, sans doute. Tous ces soucis me rendent malade. Les crocodiles sacrés vont me trouver immangeable. Vous tenez tant que ça à leur faire faire un bon repas? Bien sûr, ce sont des crocodiles sacrés, tout de même. Ils sont fous, ces architectes. Allons voir ce qui se passe. Nous refusons de continuer dans ces conditions. Le travail est trop dur. Ouais. Ils ne veulent plus travailler. Ah, le travail est trop dur. Astérix, allume-moi un bon feu sous cette marmite. Oh. Nein, du kriegst nichts. Du bist mir als kleines Kind schon einmal in den Kessel gefallen. Fais-leur une petite démonstration, Astérix.
Un vrai prodige! Mais oui! Appelle tes ouvriers, je vais leur donner une ration de ma potion magique à chacun. Non! Non. 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 Mais comment fait-il pour me reconnaître? Quelque chose. Tournevis? Oui, ou à mon beau-fils, mon maître. Je sais que numéro 10 attend des pierres qui arrivent du sud par le Nil. Ces pierres ne doivent pas arriver. Hmm? Voici de l'or pour traiter cette affaire. Tu seras obéi, ou à mon beau-fils, mon maître. Mon beau-fils t'envoie cet or pour que les pierres n'arrivent pas à destination. Jacques, par Osiris, balancez-moi ces pierres! C'est un coup à mon beau-fils. Sans pierre, pas de palais. Sans palais, les crocodiles. Du calme. Nous irons les chercher, tes pierres. Nous reviendrons vite avec les pierres. Oui, il nous reste peu de temps pour finir le palais. Ils ne doivent pas revenir de ce voyage, Tournevis. Ils ne reviendront pas, maître. C'est lent, c'est trop lent. Que l'on s'approche de la rive et que l'on relie les bateaux avec des cordes. Enfin un peu d'exercice. Partout à 10, ce garçon m'étonnera toujours.
Ça manque de sangliers et de cervoises ici. Bon, l'appétit vient en mangeant. Oh. La cervoise d'Astérix. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Les sangliers d'Obélix. Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il n'y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, vont jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va. Les sauces d'idées fixes. Obélix, mon cher amour, je t'appuierai toujours. Mais le roi des rois, désormais c'est toi. Quand Obélix va, tout va. Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Quand l'appétit va, tout va. Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vite les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas, braves gens, l'appétit vient en mangeant. Vite dans les futailles, y'a nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va. Demain, nous irons visiter le Sphinx et les pyramides. Ça en vaut la peine. Qu'en dites-vous? Idée fixe, ici. Ici, idée fixe. Idée fixe, ici. Laisse-le tranquille, idée fixe. Il doit y avoir une belle vue de là-haut. Idée fixe, attends-moi ici. Obélix! Oui, oui, oui.
ne nous attardons pas ici. Venez. Ces pyramides, 20 siècles vous contemplent. Il doit y avoir une belle vue là-haut. Obélix, tiens-toi tranquille. Ouf, ça vaut pas un bon menhir, ces pyramides. Je me demande si on peut visiter. Mais si. Je suis guide et je peux faire visiter les pyramides aux nobles touristes étrangers. Eh bien, nous acceptons avec plaisir. Suivez le guide. C'est pas pour les petits chiens là-dedans, et t'es fixe. Attends-nous ici. Si t'es sage, t'auras un pelos. Intéressante, ces pyramides. Ne me perdez pas de vue, nobles étrangers. Sans moi, vous ne sortiriez pas vivant de ce labyrinthe. Entrez. Les hiéroglyphes qui ornent cette salle sont magnifiques. Vous ne sortirez jamais d'ici, étranger. Ce tombeau sera votre tombeau. Très intéressant, ces bas-reliefs. Oui, mais en attendant, il faut trouver le moyen de sortir d'ici. Tout ça ne serait pas arrivé dans un menhir. Vu les circonstances, Obélix, pour la première fois, je vais te donner à boire de la potion magique. Vrai ? Moi, je vais avoir de la potion magique. Moi, je vais avoir de la potion magique. La l'air. Oh, je suis bien content d'être venu dans la pyramide. Obélix, après toi. Je peux en avoir encore un peu. Alors, vous venez? Très intéressant, ces labyrinthes. Essayons cette porte-là. Je peux en avoir encore un peu? Non, Obélix, non. Oh, ben, ça, c'est pas juste, alors. J'ai eu à peine le temps d'y goûter, puis il veut plus m'en donner. C'est pas juste. Bien peur que ce guide ait eu raison. Nous ne sortirons pas vivants d'ici. Ça me fait de la peine pour Numérobis. Sans nous, il ne finira jamais à temps son palais. Moi, ça me fait de la peine pour mon pauvre petit Idéfix. Idéfix ! Idéfix nous a retrouvés grâce à son flair. Il peut donc retrouver son chemin pour nous sortir d'ici. T'auras deux gros os. T'auras
Alsos. Par moments, j'ai l'impression qu'il comprend tout ce que je lui dis. Suivons le guide. Ce sont des mages. Ils ont réussi à sortir de la pyramide. Ces Gaulois sont vraiment prodigieux. Mais les Gaulois ne sont pas encore arrivés à Alexandrie. Ils ont tout le Nil à remonter. Il faut les arrêter. J'ai les hommes qu'il vous faut, maître. Des pirates redoutables qui ont perdu leur navire à la suite, paraît-il, d'une fausse manœuvre. Amène-les-moi. Les voici, maître. Je t'offre un bateau. Avec lui, tu descendras le cours du Nil. Tu rencontreras une caravane de navires transportant des pierres. Si ces navires n'atteignent pas Alexandrie, tu auras de l'or, beaucoup d'or. Aborde-les, égorge-les, triple-les, massacre-les, extermine-les, écoule-les. La routine habituelle, quoi. C'est monotone, les croisières. Je m'ennuie, Astérix. J'ai comme l'impression qu'on va bientôt s'amuser, Obélix. Caravane transportant des pieds, doigts devant. Non. Les enfants, on s'énerve pas. C'est plein de Gaulois là-dedans. Les Gaulois, derrière toutes, sauf qui peut. Demi-tour! Obélix, mon ami, tu vas pouvoir te distraire. Des pirates droit devant. Des pirates? Oh, c'est... Attendez-moi, j'arrive! Vite! Plus vite! Trop tard! Eh bien, je crois que nous pouvons reprendre notre route, Obélix. Tiens, ça mord. Je ne mange pas de ça. Encore une fausse manœuvre. Mais c'est qu'il commence à m'énerver, ces Gaulois. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'ai une idée horrible. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui. Dans un grand bol de strychnine, d'LDI, de la morphine, de fer tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Hein? Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique,
deux cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pain est molle. Et un peu de vitriol. Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon. Pronostic, demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Yeah. Un cadeau pour vous, ô marraine. Qu'il entre. Les trois Gaulois offrent ce gâteau à la reine des reines. Comme c'est aimable à eux, tu les remercieras de la part de Cléopâtre, mon goûteur, que l'on appelle mon goûteur. Voilà, voilà, voilà. Goûte, goûteur. Avec joie, ô ma reine. Oula, 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 oula. Enfin, mes amis, vous voici de retour. Et nous t'apportons suffisamment de pierres pour achever la construction du palais. Gaulois, au nom de la reine, je vous arrête. On leur donne des baffes. Non, Obélix, du calme. Allons plutôt voir ce qui se passe. Oula, 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 oula. Gaulois, vous avez essayé de m'empoisonner avec ce gâteau. Gâteau, quel gâteau? Qu'on les jette au cachot pendant que je décide de leur sort. Pas un instant à perdre. Buvons cet antidote et sortons. Cette potion va nous immuniser contre le poison. On est en train de servir l'apéritif au crocodile sacré. Écartez-vous, on sort. Calmez-vous, nous voulons simplement savoir ce que vous nous reprochez au juste. Ce que je vous reproche, ça. Mais il a l'air très bon, ce gâteau. Obélix va chercher une pelle à tarte. Vous permettez? Coupe trois parts de ce gâteau. Trois parts, j'ai dit. Bah oui, trois parts. Gourmand, va. Eh bien, il est excellent, ce gâteau. Qu'a-t-il donc de particulier? Demande-le à mon goûteur. Oula, 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 oula. Ah, voyons.
C'est une petite indigestion, tout simplement. Oula, 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 oula. Ça va mieux. J'ai faim. J'ai été injuste envers vous, Gaulois. Je vous rends la liberté. Allez. Quelqu'un a voulu nous faire du tort. Oui, mais qui? À mon beau-fils. Le rival de numéro 10? Sans doute. Si on allait lui rendre visite. J'allais te le proposer. À mon beau-fils, je vous prie. À mon beau-fils, par là. Buvons à la victoire, Tournevis. Le moment est venu pour nous de trinquer. Puisque tu voulais travailler avec numéro 10, nous allons t'en donner l'occasion. La construction du palais avance bien, numéro 10. Tu finiras dans les temps. C'est Cléopâtre qui va être contente. Très contente. Le palais s'achève, César. Et je crois que je vais gagner mon pari, Jules. Tu m'envoies ravi, ô marraine. Absolument ravi. Je vais perdre la face devant Cléopâtre. On m'avait pourtant dit que son architecte était en incapable. Il se passe des choses que j'ignore. Que l'on appelle mon espion. Je suis là, maître. Je suis là. Approche. Va voir ce qui se passe dans le chantier de numéro 10. Je veux savoir pourquoi le travail avance aussi rapidement. Faut le faire, hein? Trois Gaulois, un vieux druide, un petit malin et un gros ahuri. Astérix, Obélix et Panoramix. Ces trois-là sont capables de tous les prodiges. Il faut agir. Que l'on convoque mes mercenaires égyptiens. En vitesse. Allez, César. Ceux qui vont te servir pour un prix modique de salutante. Vous allez vous introduire dans le chantier de numéro 10, sans vous faire remarquer. Là, vous renverserez la marmite de potions magiques et vous vous emparerez du druide gaulois. Un sac d'or si vous réussissez. Exécution par Jupiter. C'est parti, au César, par Osiris. Thank you.
me charge de la marmite. Vous deux, occupez-vous du druide. Entendu, frérot. D'accord, frérot. Si cette potion a les vertus que l'on dit, je crois que je n'aurais pas à partager le sac d'or. Que voulez-vous? Moi, j'ai pas le sens de la famille. Qui êtes-vous? Et où est Panoramix, notre druide? Jules César nous a envoyés pour capturer le druide. Mais notre grand frère nous a doublés pour avoir la récompense à lui tout seul. Sans potion magique et sans Panoramix, nous sommes perdus. Les crocodiles sacrés... Pas encore. Obélix, allons chez Jules récupérer notre druide. D'accord, Astérix. Idée fixe, je te confie la garde du chantier. Ouvre l'œil. Un des mercenaires est de retour. Oh, César. Qu'il entre. Mission accomplie. Oh, César. Tu as bien mérité de César, mercenaire. Voici la récompense promise. Que l'on enferme ce druide à double tour dans les prisons du palais. Je suis le plus malin. Je suis le plus riche. Je suis le plus... Où est notre druide? César l'a fait enfermer dans les prisons du palais. Mais ne frappez plus, s'il vous plaît. Allons-y, Obélix. Oui, Astérix. C'est le frérot. Viens, frérot. Junior et moi, on a deux mots à dire. Ouais. J'espère que nous allons pouvoir le retrouver, notre druide. Oh, tu sais, toutes les prisons sont pareilles. On y entre aussi facilement qu'on en sort. Halte! On n'entre pas. Mais si on entre. Tu permets, Obélix? Excusez-moi. Astérix, Obélix! Écartez-vous, on sort! Non, on ne sort pas! Mais si, on sort! Ah oui, on entre et on sort. Ces Gaulois vont savoir ce qu'il en coûte de braver la colère de César par Mercure. Demain, à leur réveil, je leur réserve une petite surprise dont vous me direz des nouvelles. Mais que se passe-t-il encore? Au nom de César, nous avons appris que des dissidents gaulois se cachent dans ce chantier. Nous leur donnons l'ordre de se rendre, faute de quoi nous attaquerons par Jupiter. Nous sommes ici par la volonté de Cléopâtre, et nous ne partirons que quand le travail sera terminé, par Toutatis. Vous le regretterez, par Mercure. Qu'allons-nous faire par Osiris? Nous allons construire des défenses par Bélénos. Tu as raison, par Bélisama.
Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en aller par hasard? Engagez-vous, engagez-vous, qui disait. Les revoilà! La 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 l'air, la 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 l'air. Du pays, il disait. À l'attaque! Eh, oh! Ça va pas, non? Sans blague! Puisque c'est comme ça, nous allons les bombarder! Des machines de guerre. Ah, je n'aime guère ces machins. Feu! Mon palais! Il cache mon palais! Il faudrait prévenir Cléopâtre. Elle seule peut convaincre César d'arrêter les hostilités. Bonne idée. Je vais écrire un message pour la reine. C'est Idéfix qui portera le message. Idéfix? Mais il est trop petit, Idéfix. Non, il n'est pas trop petit. Obélix, ne sois pas têtu. Idéfix ne peut pas porter ce message. Si, il peut. Monsieur Astérix, c'est tout. Monsieur Astérix, il faut qu'il commande. Tu sais ce qu'il te dit, Monsieur Astérix? Non! Qu'est-ce qu'il me dit, Monsieur Astérix? Voici le message. Mais comment le faire parvenir à Cléopâtre? Nous sommes assiégés. Ah, demandez à Monsieur Astérix. Il sait tout. Allons, allons, Obélix, ne te vexe pas. Je voulais te taquiner. Pas bien, mon chien. Ce sera Idéfix qui portera le message. Et moi, je porterai Idéfix. Alerte! Un des assiégés essaie de passer! Il est parti comme il est venu. Et vient que penser? De haine. Je saurais vous montrer comment meurt une reine. Je saurais... mais non, regardez. Mon petit chien a un message pour vous. Oh, qu'il est mignon. Que l'on apporte un os pour ce petit chien. Ça ne se passera pas comme ça, par Osiris.
Jules César est un tricheur. Va, Gaulois, je m'occupe de tout. Alerte! Aux des assiégés, essaie de rentrer. Et voilà Obélix. Idée fixe a parfaitement rempli sa mission. Ah, tu vois, qui avait raison. Pourvu que Cléopâtre agisse vite, ces machines sont en train de démolir complètement le palais. Tu vois, César, même si nous ne parvenons pas à capturer ces Gaulois, le résultat sera le même, car le palais sera détruit. Bien, très bien. Allez, César, il y a quelqu'un qui demande à vous voir là. Quel bon vent! Assez! Je suis sortie de mon palais en courant, sans prendre le temps de me changer quand j'ai appris ce qui se passait. Quand on fait à Paris, il ne faut pas tricher. Et c'était mon droit de faire appel aux Gaulois. Et je te prouverai que mon peuple est encore capable de construire de beaux palais. Et j'exige que les Romains laissent les constructeurs tranquilles. Et ce n'est pas tout. Permets-moi de te dire que... Bon, ça va, je te demande pardon. Ah, tout de même. À la maison, les enfants! Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, César! Enlève le siège! Oh, imbécile! Victoire partout à tous. Je suis bien content. Et tout ça grâce à mon idée fixe. Et maintenant, au travail. Et le travail reprit en effet. Il reprit avec acharnement, car ne l'oublions pas, quand l'architecte ne respectait pas ses délais, il était jeté au crocodile. Ancienne coutume, un peu oubliée de nos jours. Enfin, un beau matin... Oh, ma reine, le palais est terminé. Tu as tenu ta promesse, numéro bis. Cléopâtre tiendra la sienne par Osiris. Qu'on le couvre d'or. La plus belle des reines. J'ai perdu mon pari et je m'incline devant ton triomphe. À toi, Cléopâtre, l'honneur de couper ce ruban. Je sais ce que je vous dois, Gaulois, et vous avez droit à ma gratitude. Je vous ferai accompagner chez vous à bord de ma galère d'apparat. Avec les remerciements de Cléopâtre. Il n'y a pas de quoi, Cléopâtre. Nous te saluons. Dites, il y aura des sangliers sur votre bateau. Obélix! Oh, ben quoi, qu'est-ce qu'il a à crier tout le temps après moi? C'est très joli, une galère d'apparat, mais s'il n'y a pas de sangliers, c'est pas la peine qu'il soit d'apparat, une galère. Tout le monde boit, tout le monde est content, tout le monde fête l'heureuse issue de cette aventure, tout le monde boit, tout le monde mange, tout le monde, enfin, presque tout le monde.
Avec le printemps, le magnifique vaisseau de Cléopâtre approche des côtes de la Gaule, où le village accueille ses héros avec son enthousiasme et son banquet habituel. Et c'est Idéfix qui a tout fait. Allez, mon cher, allez.